Bon, mon petit cadet, ce cadrage est formidable. Nous sommes le samedi 18 décembre 2021 et première expédition Forum Plus pour trouver du matériel en vue d'un DIY. Et il y a du peuple. Donc là, je te le dis direct. Hein. Aujourd'hui, là, je ressors chez Forum Plus, j'ai tout trouvé. Je crois que je fais un état des lieux quand j'arrive chez moi que je ne vais pas te montrer puisque je vais partager avec toi ce do it yourself. Moi, j'essaye la bilinguie. Mais si je veux filmer dans les magasins aujourd'hui, c'est impossible parce que c'est méga, méga blindé, mais de dingue. La file d'attente à la caisse de Forum Plus, j'ai rarement vu ça. Ceci étant dit, je suis très contente d'avoir trouvé mon bonheur chez Forum Plus parce que quand je vois le monde chez Forum Plus, je n'ose imaginer comment ça se passe chez Noz. Et de base, j'avais prévu d'aller chez Noz, mais là, je vais contourner parce que c'est pas possible. Alors mon petit cadet, là nous sommes à la mairie de Bonsecours qui est une commune du plateau Est et je suis sur le devant de la mairie, le parvis de la mairie et je trouve ça très très beau. Voilà, c'était juste pour te partager mon moment de féerie. C'est très très joli. Hein. It was on a cold Christmas Eve. World. We were all alone, holding our breaths till the word came of a baby girl. Then grandma, then grandma. Alors pour continuer un petit peu à te montrer quelques trésors du plateau Est. Je ne sais pas si ma caméra va rendre honneur, mais là, on est à la basilique de Bonsecours. Il faut savoir que Bonsecours, de chez moi, on va dire en voiture, c'est à 5 minutes. En bus, c'est un peu plus long puisqu'il fait le tour du monde, mais elle est hyper jolie. Alors malheureusement, cette basilique, elle ne me rappelle pas que de bons souvenirs, mais elle en impose. Hein. Dans le paysage, elle en impose. On va s'approcher un petit peu. Voilà, là, je suis un petit peu plus près. Ça rejoint un petit peu ce que je te disais hier, hein. C'est pas une question de croyance ou pas, c'est que sincèrement au niveau architecture, au niveau c'est magnifique quoi, c'est tout. Point. Il fait pas assez clair pour que tu puisses voir, mais là, ici, il y a la Seine. Tu vois, il y a vraiment le panorama complet, mais là, tu vois pas. Il fait, j'essaye de t'approcher. Là, il fait trop sombre. Fascination pour les cloches, tout à fait, et je l'explique pas, je sais pas pourquoi j'adore. Tu vois, je me disais comme ça à brûle-pourpoint, en y réfléchissant là, tout en étant en train de vloguer, je me disais c'est quand même dommage parce que ça fait plus de 7 ans. Que je te propose du contenu. On a fait les premiers vlogs en 2015 et jamais je t'ai montré ça. Voilà, c'est à 5 minutes de chez moi, jamais j'ai pensé à te montrer ça. Ces vlogmas, je trouve, auront au moins eu le truc d'avoir l'envie de te montrer certaines choses. Et ça, c'est bien, c'est chouette. Là, mon petit cadet, tu connais ce coin-là parce que c'est anciennement où vivait ma sœur. Ils ont mis un. On est donc dans la commune du Ménilénard. Qui est une commune également du plateau Est. Alors là, on n'est pas sur la place de la mairie. Hein. Je te filme après la place de la mairie. Mais ils ont mis des petites décos dans la résidence et je trouve ça très sympathique aussi. De toute façon, à compter du moment où moi tu me mets des lumières, je suis contente. Hein. Alors il fait évidemment un peu plus nuit, mais ça c'est le devant de la mairie du Ménilénard.
C'est très joli aussi, il y a de l'idée, hein. Il y a de l'idée. Jingle them bells and frolic, it's the best day of the year. Come fly with me now, Rudy. I'm loaded. It's the prerogative to have a little fun, hey. Whoa-oh-oh, go to the crazy. Forget I'm a lady. Men shoot shots, cute. Ho-ho-ho-ho. If you wanna be my lover. Point du jour, pensée du soir. Conclusion de ce vlog d'aujourd'hui. Une chose qui est claire, alors pour toi, avec ton œil, ce vlog vaut, ce vlogmas vaut ce qu'il vaut, mais j'ai adoré partager cette journée avec toi. La basilique à bon secours, les illuminations devant les mairies de Ménilénard et bon secours. J'ai adoré ça parce que je trouve que... Après, voilà, c'est mon ressenti, hein. Toi, tu regardes, donc tu peux dire, putain, ça pompe. Je peux pas, je suis pas dans ta tête et j'ai pas la prétention de savoir comment tu l'accueilles. Mais moi, en tout cas, sache que j'ai adoré cet instant-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Boubou? Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense, maman, que je n'ai vraiment rien à péter de tes histoires. J'en pense bien. Est-ce que tu penses... T'es assis comme une madame, elle a ses patounes croisées. Est-ce que toi, t'es contente de ces vlogs en ce moment ou pas du tout? Y'en a rien à carrer, maman, de tes vlogs. Là, elle attend le moment... Attends, hop, je me reprends. Elle attend le moment opportun pour venir me faire yèche. Parce que c'est sa passion. Quand je m'installe, là, je suis assise devant le sapin. Parce que comme ça suffit pas les allergies, je m'en prends une petite bouffe en me collant à lui, tu vois. Et elle attend le moment pour venir m'emmerder. Ceci étant dit, là, elle a pas l'air très décidée. J'ose même pas commencer à parler parce que je sais que pour elle, ça peut être le signal de départ. Voilà, c'est bien ce que je disais. Le signal de départ de la bêtise en cours. Et donc, oui, on est demain, on sera J19 Vlogmas. Je trouve que, écoute, comme je le dis, hein, j'ai prévu de clore cette session Vlogmas avec une dernière vidéo un peu bilan et tous mes ressentis. Mais je suis très étonnée par le Vlogmas. Je suis très étonnée, je m'attendais à une... oui, on t'a bien vu, fais petit bouzou maman, voilà, on t'a bien vu. Je m'attendais à une charge de travail parce que j'avais vraiment jamais fait, elle va me faire tomber l'appareil, cette connasse à l'huile. Oui, j'avais jamais fait un contenu tous les jours comme ça sur la durée, ce qui est quand même assez exceptionnel me concernant parce que la régularité et moi, ça fait quand même deux, hein, on va pas se mentir. Mais je suis assez surprise par rapport au fait que je m'attendais à une masse, alors de travail, oui, parce que, mais surtout je m'attendais à beaucoup, énormément de temps passé sur les écrans en termes de montage, en termes. Et puis finalement, écoute. J'ai le sentiment, en tout cas me concernant, j'ai pas la prétention de parler pour quiconque, chaque créateur a sa façon de travailler, chaque créateur de contenu surtout a des contenus différents et des vies bien différentes, mais j'ai l'impression que j'ai chopé la très bonne organisation. Exportation de tous les fichiers le soir, comme ça mes fichiers ont le temps d'optimiser. Le matin, je me lève, je me bouscule pas, je prends un café, je fais tout mon montage. Et pour le soir, on est bien. Alors, il y a eu des petits couacs, forcément. Tu prévois quelques bricoles. Bah, il y a des jours où ce que tu as prévu dans le huc, la balayette. Mais je suis assez contente parce que j'aurais réussi à te partager. Il nous reste 6 jours, ouais, une semaine, une toute petite semaine de Vlogmas. J'aurais réussi à te partager des choses
qui m'ont apporté du plaisir à te partager. Je dis pas des choses qui t'ont spécialement apporté du plaisir, mais je pense que l'essentiel aussi, pour qu'on puisse essayer de transmettre le plaisir, c'est d'en ressentir. Voilà, comme je te le dis, ça vaut ce que ça vaut. Je suis pas là pour te vendre du rêve, sinon ça se saurait. Mais en tout cas, moi j'ai pris tout ce que je t'ai proposé durant cette session de Vlogmas et ce que je compte te proposer, c'est des choses qui me font plaisir. Et en aucun cas, je ne me force à faire pour le Vlogmas. Faut bien comprendre ça. Et je trouve, même si je ne sais pas si je réitérerai, mais on en rediscutera dans le Vlogmas qui fera clôture de tout... oui, c'est ça, quoi. La conclusion de toute cette session, je t'en reparlerai parce qu'il se peut, tu sais, un jour c'est oui, un jour c'est non. Mais là, à l'heure actuelle, à la minute, à la seconde où je te parle, je ne pense pas que je réitérerai le Vlogmas, mais maintenant, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Puis au-delà de tout ça, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure en repartant de la basilique, c'est que ça fait plus de 7 ans maintenant. Je ne sais pas exactement depuis quand ma chaîne est réellement active. C'est pas le propos, on s'en fout un petit peu, tu me diras. Mais... au-delà de tout ça, au-delà du fait de relever le micro-petit défi, microscopique défi personnel, de se dire, je vais proposer un contenu par jour quand tu ne l'as jamais fait en plus de 7 ans de chaîne, bah, c'est un petit défi que tu te mets à toi-même. Bon, c'est pas le défi du siècle, hein, attention, hein. Mais quand même. Et puis, c'est surtout que moi qui, depuis quelques années, aborde le mois de décembre de façon un peu décrépitée, je trouve que le Vlogmas m'a donné envie, m'a aidé dans l'envie qui était déjà là, m'a aidé à avoir, c'est très compliqué parce que c'est pareil, on est dans le domaine du ressenti, donc va-t'en verbaliser ça, mais je trouve que le Vlogmas te donne, Johnny, si tu nous entends, te donne l'envie d'avoir envie. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça, déjà, quand l'envie est de retour, elle est fragile, mais elle est quand même de retour, bah, le fait d'être parti sur le défi de partager tous les jours, ça donne de l'envie à l'envie de base. Et non, parce que si tu veux, quand ça peut sembler un petit peu bateau de dire l'envie, de retrouver l'envie, patati patata, mais mine de rien, c'est pas si con, parce que non, avoir l'esprit festif, avoir l'esprit de Noël, avoir la féerie dans les yeux et être joyeux en période de fin d'année comme ça, ça coule pas de source, non? C'est pas donné à tout le monde, il y a des personnes pour qui, et je suis bien placée pour en parler, il y a des personnes pour qui cette période-là, fête de Noël, fin d'année, bah non, c'est pas joyeux, non, parce que d'une part, deux, par la situation, qui peut ne pas être simple, même si sur les réseaux, on s'en prend plein la gueule en termes de qui aura le plus de déco, qui blindera le plus en termes de déco, bah il y a des personnes pour qui c'est pas simple, voilà, il y a des personnes, après, parce que ça rappelle des jours qui reviendront plus jamais, pour plein de raisons. Et puis je pense que ces Vlogmas m'aident à, comment je peux dire, m'aident, c'est pas le mot, ces Vlogmas me motivent pour que ça continue, à ce que ce mois de décembre soit, quand t'es occupé à faire, quand tu prends plaisir à partager certaines choses, bah mine de rien ça occupe là-dedans aussi. Donc quelque part, déjà, si le truc est revenu un peu, bah tout ça, ça, tu sais, ça fait des trucs qui se greffent autour et puis qui continuent à passer le cap du mois de décembre de façon meilleure quand, comme moi et comme beaucoup d'autres malheureusement, c'est pas simple. J'essaie de faire aussi avec mes ressentis et faut croire que là, cette année, c'était le moment d'avancer un petit peu et d'arrêter de grommeler tout le mois de décembre parce que finalement, oui... on aura beau dire ce qu'on veut, mais ça ne changera pas le cours des choses. Ça ne changera absolument pas la donne, mis à part de mettre une chape de plomb, déjà pour moi, et puis pour ceux qui m'entourent de très près. Parce que ceux qui m'entourent de très près avaient connaissance que je ne le vivais pas très bien. Et forcément, les personnes qui m'entourent de très près m'aiment, et donc les personnes qui m'aiment, eh ben, elles ne le vivent pas très bien. Donc finalement, par capillarité, t'emmerdes tout le monde malgré toi. Je te parle de ça surtout parce que sur Instagram, j'ai vu passer une story, je ne sais plus chez qui, et puis c'est pareil, on s'en fout quelque part, mais qui disait « Je me demande comment on peut ne pas aimer Noël ».
Moi, je me demande, j'ai pas répondu, forcément, c'est une story, donc ça me lourde de réagir à une story, voilà, ça me lourde. Mais moi, je me demande justement comment on peut ne pas imaginer qu'on peut ne pas aimer Noël. Parfois, je me pose quand même les questions, est-ce qu'on n'a pas beaucoup de choses qui sont faussées compte tenu de ce qu'on brasse sur les réseaux ? Comment on peut en arriver à sortir comme ça en story? C'est pas méchant, hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je me demande comment on peut ne pas aimer Noël. Bah, écoute, l'opposé s'applique. Hein. Je te disais que parfois, je trouve que les pensées comme ça, les choses qu'on lit en story, je me demande si les éléments sont pas complètement faussés par tout ce qu'on peut voir en masse, en dose, en tonnes sur les réseaux. Et qu'on n'imagine pas un seul instant aller juste un peu plus loin que le bout de son nez ou que le bout de son écran de ce qu'on voit sur les réseaux pour se dire, bah peut-être que si les gens n'ont pas l'esprit à Noël, déjà, dans un premier temps, peut-être parce qu'ils n'ont pas l'oseille d'avoir l'esprit à Noël. Déjà, est-ce qu'on... Voilà, c'est toujours... C'est la même chose pour tout, en fait. J'ai le sentiment, c'est juste une impression et pas une certitude. J'ai l'impression que il faut que ça coule de source parce que ça se passe comme ça, mais non. Si les gens n'ont pas l'esprit à Noël, et ça répète un peu mes propos que j'avais sur le vlogmas sur l'esprit de Noël, si les gens n'ont pas l'esprit de Noël ou n'ont pas ce qu'on peut croiser sur les réseaux, il y a forcément de très bonnes raisons derrière, mais on n'en est pas plus con que la norme, parce qu'on n'arrive pas à être dans la fanfaronnade et 12 mètres carrés de déco pour une salle qui fait 14 mètres carrés, tu vois. Et puis surtout, sur la pensée qui est celle de « je me demande comment on peut ne pas aimer Noël », c'est-à-dire qu'on vit quand même depuis 2 ans dans une situation de merde et que quand même ceci pourrait aussi expliquer cela, c'est-à-dire que je le disais sur la vidéo où j'ai parlé Covid et tout ce merdier, il y a des personnes qui ont pris cher au niveau de la santé mentale, du moral pendant cette période-là. Moi je t'assure que je m'estime hyper chanceuse, franchement, d'avoir réussi à passer les confinements, chanceuse, hein, pas valeureuse ou quoi aux caisses, hein. J'ai fait ce que j'ai pu, je me suis occupée, je me suis accrochée aux parois comme j'ai pu, un peu comme tout le monde, hein. Mais il y a des personnes qui sont plus fragiles et puis qui en ont pris un sacré coup au niveau de la santé mentale, hein. C'est pas moi qui l'invente, donc je me demande comment on peut ne pas aimer Noël, bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même des circonstances atténuantes, hein. Et moi ce que je me demande surtout, et pourtant hein, c'est moi qui réfléchis à tout, je lis, je réfléchis, j'écoute quelque chose, je réfléchis derrière, je suis tout le temps, la carafe elle est tout le temps en fonctionnement, la centrale elle fume, hein, d'accord. Mais moi je me demande surtout, ce que je me demande, hein, peut-être que bon nombre d'entre vous se demandent aussi, mais je me demande pourquoi on se demande tout sur tout. Est-ce que quelque part, si on foutrait pas un petit peu la paix aux gens, ça serait plus simple, hein. Je me demande comment on peut ne pas aimer Noël, après tout, qu'est-ce que ça peut te foutre à partir... Non mais c'est vrai, à compter du moment que ça n'enlève rien aux gens ou que ça ne leur en apporte pas, que ça n'a aucune incidence sur leur vie personnelle, que Pierre, Paul, Jacques, Jackie, Louis, Micheline n'en aient rien à foutre de Noël, quel est le problème en fait pour toi qui a mis ton sapin, toutes tes décos? En fait c'est ça la problématique, c'est qu'on se demande plein de choses, mais finalement dans notre vie à nous, à partir du moment que ça n'a pas d'impact, est-ce bien important? J'avais cette discussion là aussi en privé avec certaines copines sur ce qu'on peut croiser sur internet, sur le fait que tout le monde et moi aussi, hein, qu'on a toujours tout à dire sur quelque chose. Si j'avais rien à dire sur rien, je ne serais pas là derrière mon appareil photo, assise au sol sur un carrelage froid devant mon sapin. Mais à compter du moment où, si tu veux, c'est vrai que l'incompris il est là, à compter du moment où que ça n'a aucun impact, que ça ne comporte aucune dangerosité pour ta vie à toi, ce que fait l'autre, ce que fait l'autre chez lui avec ses fonds de culotte, à la limite, mais non, il y a quand même cette nécessité de reprendre tout sur tout constamment. C'est la mécanique des réseaux sociaux, mais moi tu le sais, je ne comprends rien aux réseaux sociaux. Donc à partir de là déjà, on a posé les bases, mais quand même, si on y réfléchit bien, qu'est-ce que, à partir du moment où ça n'a aucun impact quelconque sur nos vies, ce que fait l'autre... Voilà, parce que c'est du brassage, c'est de la perte de temps, voilà, pour mes réflexions sur le temps, de toujours
Oui, mais elle, elle a fait ça. Oui, mais lui, il a fait ça. Oui, mais elle, elle fait comme ça. Oui, mais elle, elle a dit ça. Oui, mais je t'invente ça parce que si, parce que faut bien que je t'invente ça parce que je suis pas sûre que tu dis ça, mais peut-être que tu penses ça. De la perte de temps. C'est de la perte de temps. Pour l'heure, je vais te laisser. Et puis, bah, je te dis à demain. À demain jusqu'au... On a dit, il y aura un dernier Vlogmas le 26. Et puis, ce sera très bien. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Tu sens que je commence à voir l'œil du tigre de la fatigue. Sauf que l'œil, il commence à se barrer. Bref, à demain. Des bisous.